Donc là, on est au Quai Brigaine. Pour la petite histoire, c'était toutes des maisons en bois, accolées les unes aux autres, et ça a brûlé plusieurs fois. La dernière fois que ça a brûlé, c'était en 1955. Du coup, aujourd'hui, on a quatre maisons qui sont des reconstitutions. Ce sont les rouges qu'on va vous montrer plus loin. C'est les dernières en partant de là où on est. Et le reste, c'est à peu près d'époque. Juste à peu près. Bah oui, à peu près, parce que ça a été refait quand même, mais bon. C'est pas des reconstitutions, je crois. Non. C'est les maisons de base. Logiquement, on devrait pouvoir rentrer, mais ils ont tout fermé. Pas dans celle-là, mais dans l'autre. Ça, on peut pas rentrer. Ah, mais regarde, les gens, ils rentrent. Ah, si, ça y est, on peut rentrer. On est arrivé un petit peu tôt tout à l'heure, donc tout était fermé, ouais, mais. Apparemment, on peut rentrer, monter dans le. Le soleil est de sortie. Ah, parce qu'on était sous la brume tout à l'heure. Hein. Au passage, il y a longtemps qu'il est sorti le soleil. Hein. On s'est réveillé à 4h et il faisait déjà jour. On sait même pas s'il a fait nuit cette nuit. Alors est-ce que les passages sont ouverts? C'est très chouette. Eh oui. Ouais. Alors, oula. Voilà, ouais, ça doit ouvrir vers 9h30, un truc comme ça. Je pense, je sais même pas quelle heure il est. Il est 9h44, donc ça doit ouvrir dans les 9h10. Ah, c'est joli, hein. Tout, normalement, c'est toutes des bâtisses qui sont d'époque. Donc c'est quand même classé au patrimoine de l'UNESCO, mais il y a quand même des petites boutiques qui se sont installées le long des petites coursives. C'est pas mal, hein. On dirait dans les films américains, comment dire, truc de cowboy. Au Far West. Far West. C'est le Far West norvégien. Et si on monte? Allez, viens, on monte. Attention, tadam, des escaliers fantastiques. Tadam, le cowboy est là. Alors, on continue à monter, on peut monter. Voilà. C'est bien qu'on arrive à avoir la vue là-haut. Oh, c'est pas mal, hein. Ah, ah bah non. J'y croyais quand. Bah non. Voilà, on ne voit pas, t'es dans le nord. Je vais monter sur les toits. Donc voilà les quatre maisons dont on vous parlait tout à l'heure. Les quatre maisons rénovées. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de magasins qui ont investi en fait les lieux, malgré le fait que ce soit donc patrimoine de l'UNESCO.